Wolves asleep in midst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher! Et what? 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 Qu'est-ce que c'est? Ok, j'entendais des bruits mais je les avais pas vus en fait. Waouh, qu'est-ce que... Ils sont d'accord. Ils sont adorables. Oh, regardez, ils m'attaquent pas parce qu'ils sont gentils. Alors, on venait de battre le boss, hein, comme vous vous en souvenez. Je visitais un peu tout ça. Parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de visiter. Hop, on prend les coffres. Ah, des œillères. De l'alcool et des schémas. Bon, les schémas, c'est intéressant. Pourquoi c'est jaune, ça? Alors, on va mettre... hop. C'est quoi, déjà? Ah! C'est hard, hein. Ah, on peut le détruire. Il y a quelque chose derrière? Oui, il y a un truc derrière. Ah ah! Tu croyais que j'allais pas le voir, hein? Voilà, wow, 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 wow! Allez, monte. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse monter, en fait. Hein. Ok, d'accord. Laisse tomber. De ce côté, il y a les mêmes choses. Non. Rien d'intéressant. Par contre, ici, il y a une porte que j'ai vue. Hein. Tada! Et... quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce signe? What? Non, j'ai pas. Attendez, on va essayer quand même hard, mais je pense pas. Non, ça marche pas. C'est pas grave, on va continuer, peut-être que ça faudra revenir peut-être un jour. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un coffre. De l'eau de vie, génial. Des olives! Le mec, il est super content pour des olives. C'est de la bouffe. Voilà, on a un peu à manger. Nickel. Par contre, j'ai eu ça, les œillères. Un cheval équipé d'œillères panique moins rapidement. Ça, c'est nickel. J'ai du stuff, là, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je suis bien. Je me suis refait des vies et tout ça. Là, il y a des trucs. Bon. Voyons. Des livres, ok. Du poivre, ça a mangé aussi. Ça se mange, le poivre. Cet endroit n'est plus sûr. Parle ici sans tarder. Ok. Ne fais confiance à personne. Et surtout pas aux sorcières du marais de Torséché. Ouh là là! Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière. Je ne comprends rien à ce que tu dis. C'est qui ces sorcières? De notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Ah, j'avoue que là... J'avoue que c'est maigre. Pas comme toi, un gros lard. Il est peut-être à force de manger. Que ce message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici. Ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien et qu'ils voyageaient ensemble. Ok, donc ils voyageaient ensemble. Alors pourquoi l'elfe a mis Cyril en garde contre des sorcières? Je me demande aussi pourquoi ils se sont séparés. Demande pourquoi ils se sont séparés. Si la chasse sauvage était aux trousses de l'elfe, il a peut-être voulu éloigner Ciri pour la protéger. Oh, quel bel homme! Ce gentleman, magnifique, merci. Je l'aime ce mage, je l'aime. L'elfe a mis Ciri en garde contre des sorcières. Des sorcières du marais de Torsépine. Non, c'est Chine. Ah! Putain, mais le gars, il suit pas! T'es sûr que t'es impliqué là-dedans? Non, il faut s'impliquer, tu mec! Quelque chose. Mais je n'ai pas dit que... Tu n'as pas dit quoi? Pourquoi tu m'as caché tout ça? Waouh, on va l'agresser, ça y est! Ciri avait eu des ennuis avec une sorcière. Oulala! Je ne pouvais pas deviner qu'il s'agissait d'une moire. De toute façon, si je t'avais dit quelque chose, tu aurais foncé tête baissée. Ah, mais carrément! Il fallait même venir ici pour confirmer le passage de Ciri, non?
Non mais par contre, je serais pas allé tête baissée parce que... Maintenant que c'est fait, je vais tout te raconter. J'ai un peu du mal là. Tu veux dire maintenant que je t'ai aidé à traverser la caverne? Gérald, tu me fais de la peine. Tu as vraiment une bien piètre opinion de moi. Ou peut-être des magiciennes en général. On se demande bien pourquoi. Ouais, j'ai été téléporté à côté de Noyer quand même. Me casse pas les couilles, hein. Allez. Tu les connais, ces sorcières? Je ne les ai jamais vues, mais j'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Velen. Je vois. What? Mais et alors pourquoi il faut s'en méfier? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Velen, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Viens là dans ce marais! Elle a tout de suite rompu le contact. Et mes nuits sont redevenues paisibles. D'accord. Alors comment on les trouve? Comment trouver ces sorcières? Ouais, ça va, elle agresse pas non plus. Les marais sont vastes et dangereux. Mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchine. À partir de là, il faut suivre le sentier des douceurs. Le sentier des douceurs. Le sentier des douceurs. On ne fait pas de compte à Kermorren. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Ah ! On va pouvoir se faire un sandwich au poulet. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta Cyrilla. Les dames bien, de la forêt. Commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. D'accord. Je lirai le livre à part. Ou alors, non, mais on va le lire puisque ça fait partie de la quête principale. Hop. Hop. Alors, le livre, où est-il? Il est là. Magnifique. Ah, vous avez déjà vu ce... Ah, une mise à jour qui fait bien les choses. Nickel. Les dieux nous ont abandonnés, les puissants de ce monde se moquent de notre sort. Seules les dames de la forêt veillent sur Velen aux heures les plus sombres. Lorsque la peste ou la famine sévissent, nous devons implorer l'aide des dames. Si elles nous en jugent dignes, elles accèdent à nos demandes et réparent les préjudices causés par le destin. Voici la procédure, vous implorez l'aide des dames. Trouvez un enfant jeune et innocent et conduisez-le dans le marais de Torséchine. Cherchez l'hôtel des dames, c'est là que commence le sentier des douceurs. Envoyez l'enfant sur le sentier, il suivra son délicieux parfum et trouvera les braves dames. L'enfant n'aura plus jamais envie de rien d'autre, car les dames sont bonnes et généreuses. Devant l'hôtel des dames, prononcez votre demande. Les braves dames l'entendront, car elles voient et entendent tout ce qui se passe sur leur domaine. Si vous faites votre offrande comme il convient, votre supplique sera entendu. Wouah ! Ok. Donc il va falloir... Perdons notre temps. Qu'on kidnappe un enfant, en fait. Il y a des coffres ici, donc je vais fouiller. Minerai, ok, on prend tout, hein, on se casse pas le cul. Là, il y a des bouquins. Un mystérieux mage herboriste. Ok. Un bouquin. Qu'est-ce que c'est? La potion que je lui ai donnée. Apparemment, il s'en est servi. Ah bah, je veux savoir ce que c'est comme potion. J'avais compris que c'était une potion, merci. La légende de l'ours, ok. C'est des livres que je lirai à part, hein. On va pas se casser le cul non plus. Tout ça, c'est bon, y a plus rien. D'accord. Y a plus rien, allez, c'est parti. C'est parti, mais y a qu'un mur, là. Ah, y a une étagère aussi que j'ai pas fouillé. Introduction à la magie, et donc je peux examiner le mur. Mon médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur? Bah, il vibre déjà, C'est une illusion. Je l'ai senti. Non, sans blague. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai. C'est mal foutu, hein. Très mal foutu. Le mage, il a pas beaucoup Qu'est-ce de talent. Que c'est un œil de nez à l'ennemi. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer. Tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Ah, merci, c'est gentil. Ça te fera un petit souvenir de moi. Merci. Elles veulent tout ton corps, Gérald. Quand vous remarquez un sentiment dans l'air, rapprochez-vous-en. Une fois à proximité, appuyez sur E pour dire... Oh ! Je viens de capter un truc. What ? C'était quoi cette... Comment il a couru ? Ce qu'il y avait là-bas, par hasard. Ce n'était pas quelque chose comme ça. Il
me font peur. À tout moment, ils vont se réveiller, ils vont sauter. Illusion. Ah, on est d'accord. Mais c'est magnifique. Je vais prendre le champignon, on sait jamais si j'en retrouve pas. Et donc, il y a quoi là-dessous? Un coffre. C'est tout? Il y a d'autres chemins. Oh là là, si je retombe sur les boss et tout ça, on va y aller prudemment. Au pire, j'ai pas fait grand-chose depuis tout à l'heure. D'accord, des clous, génial. Une pierre unique, pas mal. Remonte. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a de l'air, c'est bon. What? Ok, il a pété un câble. Merci. Et qu'il voulait plus sortir, il faisait des plongées. Normal. Allez, nage rapidement. Il reste un chemin par là-bas. On va aller vite fait. J'ai pas l'impression d'avancer. Ah si, sur un mini-carte, j'avance. C'est chelou. Hein. D'accord. Ah ah, le coffre. Wow, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un gobelin de merde. What? What, what, what? Aïe, 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 aïe. Mais il a toutes ses vies. C'est bon, t'es mort? Eh, il m'a enlevé pas mal pour un petit gobelin de merde, hein. D'accord. Bon. Et le coffre, il y a quoi? Cure durcie, haute veine. Ah, maugrim. Ça a l'air sympathique, ça. Inventaire. Maugrim, c'est ça. Hein. Oui. Mais c'est de la merde. J'ai mieux. Désolé, j'ai mieux. Ah, par contre, ça, j'ai pas mieux. 60 perforants. D'accord. Bon, le reste, en plus, ils étaient cassés. Le reste, ben, je ferai plus tard. Hors caméra, comme ça, vous voyez pas tous les trucs basiques du jeu. Juste l'essentiel. Et j'ai des olives, donc je vais pouvoir manger en combat, bien sûr. Ne gâchons pas cette précieuse nourriture. Même si j'aurais préféré un sandwich au poulet. La divinité m'a abandonné. Allez, on va dissiper l'illusion de la porte. L'œil de Néaline. Non, sans blague. Elle vient de me le donner exprès, donc je le savais, merci. Facile, non? Voyons où mène ce passage. Alors, où mène ce passage? Ça me fait flipper. Tu sens un courant d'air provenant de la gauche? Il doit y avoir une issue quelque part. Ok, on ira à droite alors. Allons-en. Attends. Ok, ça c'est ma droite, d'accord. C'est ta gauche. Quoi tu parles? La lampe. L'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver. Tu veux bien m'aider? Ah. Ah là là. Allez, d'accord. Je vais t'aider parce que... Formidable. Allons-y. T'es vraiment mignonne. C'est la gloire. Ouais, mais par contre, je suis pas... J'ai juste envie d'aller là-bas. Chose ici. Ça a tout l'air d'une énigme. Ah, je suis monté niveau 6. Est-ce que c'est la sortie, ça? Ah, je sais pas. Bon, vas-y, on va te suivre. Et on reviendra sur nos pas à la limite après. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bah, c'était bien par là-bas, alors. Donc là, c'est le courant d'air. Ok, c'était bien par là. D'accord. Je sais pas pourquoi elle a fait le passer de l'autre côté. Il y a une inscription par ici. Fais voir. Alors, qu'est-ce que cette inscription? Je pourrais me traduire l'inscription. Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Pour l'instant, j'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. On s'en fout, traduis-moi ça. Vas-y. Traduis-moi ça. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme.
Non. Sérieusement. Par contre, j'ai rien compris. Vas-y, répète-moi l'inscription. Ouais, répéter l'énigme. Quatre gardiens, quatre flammes. Quatre gardiens. Fièrement alignés. Le premier on en a peut-être qui battu, sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi, d'accord, Veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. D'accord, donc il y a des gardiens. Il y en a un qui n'a pas voulu allumer la lumière. Et donc, il a allumé la lumière, mais il est reparti, il est rentré, il n'a pas voulu se continuer. L'autre, il jouait de la musique. L'autre, il disait « Ouais, bravo, t'es génial, ouais, super, ouais !» Et l'autre, il jouait aussi de la musique. Essayons de résoudre, la solution. Allumer les bras zéro dans le bon ordre. D'accord, ok. Donc c'est ça, hein, les gardiens. Alors, le premier... d'accord, ok. Donc lui, c'est celui qui jouait de la musique. Lui, il jouait de la musique avec son compagnon. Donc le premier, c'est lui. Le deuxième, avec son compagnon, il me semble, hein, qu'il a dit. Non. Le deuxième, c'est celui qui jouait de la musique. Attends, il se passe quelque chose. Comment ça, il se passe quelque chose? Il y a du mouvement derrière ce mur. Ouh là là, c'est mauvais signe, ça. Et du coup? Je continue d'allumer ou pas? Ok. Donc le troisième avec son compagnon, il applaudissait. Et le quatrième, il jouait aussi. Ça a marché. Ah ah, je suis trop bon! Mais du coup, est-ce qu'il y a un boss? Alors on va sauvegarder. Sauvegarder. Oui, très bien, on s'en fout. Je ne compte pas retourner dans la version antérieure. Partie sauvegardée et c'est parti. On avance. Oh. On dirait une espèce de sanctuaire, elle. À qui peut bien ouais, mais il y avait du mouvement. Elle ne porte pas la moindre inscription. Par contre, il y a de la magie. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran. C'est peut-être un monument que c'est vachement beau. Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Kriganan de Lod. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. Ah ! C'est ça que tu cherches. Je ne sais pas du tout qui est Lara. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ah ben voilà, merci. J'espère que je parviendrai à l'activer. Fiche en camp d'ici. À quoi ça sert? Mais réponds à mes questions, bordel! Réponds! Y'a rien d'autre? Si, ramasser. Note de sage. On lira plus tard. De toute façon, maintenant, y'a le... Oh, tu prends pas mon coffre, c'est à moi, ça. Botte de cavalerie. Est-ce que... Y'avait du mouvement, Y'avait pas du mouvement? Si j'allume ça. Ouais, il me semblait qu'il y avait du mouvement par là. Ça a l'air sympathique par là. De la magie. C'est un site d'énergie. Ah, ça c'est bon ça. Ça veut dire un point de compétence. Oh, un golem! Allez, je vais me battre contre lui. Je veux le tuer. On va se venger du précédent golem. Bon sang. Aïe, aïe. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? La dernière fois, t'étais avec moi. Eh oh. Oh, il a l'air moins fort que le dernier, hein, quand même. Par contre, il m'attaque. C'est toujours les mêmes attaques. Hop là. Allez, viens là. Brûle, brûle. Ouais, il a l'air un peu moins fort que le précédent.
Aïe aïe aïe. Quen, il est où Quen? Il est là. Allez, viens là, viens là, mon cochon, viens. Tiens, tiens. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Quen! Oula, oula là, il se chauffe là, il se chauffe. Ah mon salaud, hein. Hop là, merde, il m'a eu. Il m'a eu. Alors, viens là. Viens là, mon petit cochon. Ok, il se repose, tranquille. Non, ben moi, je me repose aussi. Non, je déconne, je... What? Pourquoi je peux plus tomber? Aïe, 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 il m'a eu. Il y a un petit coffre ici, on l'a vu. Désolé, mais non, ça sera pas pour ce soir. Hop là. Gwen. Raté. 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 Hop là. J'avais Gwen. Non, 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 non. Bon, c'est bon, ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois. Et voilà, il est mort ce golem. Aïe, par contre il explose en mourant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Ok, plein de petits trucs. Oh, c'est pas mal ça. Ça a l'air vraiment pas mal ce que j'ai gagné. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien de spécial en fait, hein. À part le coffre. Ah si, il y a un autre coffre ici, pierre unique. J'ai eu plein de pierres uniques, mais... Ah, un autre coffre! C'est génial! Ah, j'ai bien fait de venir ici, tiens. Un autre coffre ici. Pierre unique. Et c'est bon, je pense. Je crois qu'on a tout. Donc là-bas, il y a des monstres, mais je peux pas y accéder, il me semble. Ok, bah nickel. Ah, si! Merde, c'est pas ça que je vais faire. On visite, hein. Bah, ça sera une petit épisode visite, normalement. Ah, c'est là, d'accord. Je me retrouve ici, du coup. Là où j'avais vu... C'est pas censé... Il est pas censé y avoir de petit épisode visite, mais c'est assez rapide, allez. Voilà. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Oui, mais on l'a vu, on l'a vu. Ah, qu'est-ce qu'il fait? What? Allez, viens, suis-moi. Pourquoi elle me suit pas? Ah si, elle me suit, c'est bon. Allez, partons d'ici. Moi, bon, ça s'est très bien passé, hein. Le golem, il était pas si dur que ça, en fait. On y va. Ouais, mais je suis déjà parti, moi. Ah, de l'air. Ici. Mais c'est magnifique, on arrive à la sortie. Parfait. Oh, il y a un bateau. Il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Ouais, mais je sais toujours pas c'est quoi ta lampe, là. Si jamais là, tu t'aventures dans le marais de Thor Sechin, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas. Allez. Si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. Eh ben moi, je ne suis aucun des deux. Je vais la laisser passer ma chance. Tu es plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir? Je soupçonne un ennemi d'être à côté en train de nous écouter. Allez, bah, oui, bien sûr que je passe. Je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Oh. Au revoir, Kira. Ciao, ciao. Ces mouvements du corps, j'adore. On dirait une danseuse. Il n'y a pas d'ennemi. Ouais, j'aurais pensé. J'aurais pensé. Invitation de Kera. D'accord, bon, ça c'est des quêtes secondaires, je pense. Je la ferai quand même avec vous, celle-là, mais peut-être. On verra. On verra comment ça se passe. Alors. Donc là, du coup, il faut que je fasse le reste en fait. Ah non, il y a le Baron Sanglant ou les Dames de la Forêt. Bah du coup, je vais aller aux Dames de la Forêt, hein.
On va suivre la première quête. Et ouais, après tout le reste, c'est des invitations, c'est une quête secondaire. D'accord, ok. Bon, il reste peut-être un tout petit peu de temps, alors... on va voir. Alors, le bateau, c'est pour faire quoi? Je peux monter dessus. Est-ce que je peux l'utiliser? Pourquoi il y a un bateau sur la mini-carte? Bateau. Avec ses fleuves déchaînés, ses océans profonds et larges. Lac niché au cœur de vallée de montagne, le monde de sorceleurs contient nombre de zones inaccessibles à pied ou à cheval. Pour y rendre, vous devez soit nager, soit naviguer. Chercher des bateaux le long de rivages, heurte des rochers ou d'autres obstacles, il subira des dégâts. D'accord. Pour prendre un bateau, appuyez sur eux. Oui, mais j'ai pas besoin en fait, hein, donc on va pas le faire. Et c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça que je veux faire. Trouver les moires du marais de Torsechin. C'est niveau 6 conseillé, je suis niveau 6. Donc c'est parfait. Mais j'irai quand même un peu m'entraîner, je pense. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Et au niveau de la carte, c'est où? Ah, mais c'est peut-être justement... le bateau est peut-être fait pour qu'on aille... Non, c'est pas là. D'accord. Alors, le... Ben, la... Merde, elle est où? Oh, c'est où les marais? What the fuck? Je ne sais pas du tout où sont les marais. En tout cas, il y a plein de petites quêtes. Ça, c'est problématique qu'on puisse pas voir les quêtes. Qu'on puisse pas aller sur les quêtes, en fait. Ah, c'est ici. Ici, est-ce que je peux me téléporter aux alentours? Non. On va prendre le bateau, hein. On va y aller en bateau alors du coup. Ça a l'air faisable. On va aller jusque là-bas en bateau et puis on se dira au revoir une fois arrivé. Allons-y. Si j'y arrive. Le mât il est là. Hein. Voilà. Enfin là-bas. Alors comment on dirige? Comme ça. Wow! Faut pas faire de mouvement brusque. Hein. Ah, c'est assez sympathique. Est-ce que je peux le renverser? Wow! Je peux pas le renverser, je pense pas. Alors j'ai pas l'air de pouvoir le renverser, tant pis, dommage. Alors c'est par là-bas, mais là il y a de la terre, donc on va éviter. Oulala, une tempête approche! Thor est contre nous! Il pleut sur la caméra, c'est pas normal. Pour trouver l'hôtel marquant le début du sentier de douceur. Oui, ben d'abord il faut aller là-bas. Alors je sais pas ce qu'il y a par là, mais. Ça a l'air d'être des petits trucs à visiter. Un trésor. Ouais, on s'en fout pour l'instant. Ça ne fait pas partie de la quête principale. Donc c'est par là. Ouh là là, il y a des ennemis là-bas. J'ai peur qu'ils attaquent mon bateau. On va s'éloigner un petit peu. Île de Fike. Faut pas taper sur les rochers. Hein, donc on va essayer d'éviter. Oh! D'accord. Oh, il y avait des rochers ici. Faut rester assez loin en fait du rivage. Problématique, hein. Parce que là, nager jusque là-bas, c'est mort. Est-ce que je peux aller plus vite? Ah oui, je peux aller plus vite, d'accord. Pas mal, je sais pas comment il fait pour aller plus vite. Mais... Ah, il tire plus sur la voile. Ah, c'est vachement sympathique comme je... Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de vagues avec la tempête. Hein, mais c'est vraiment marrant. J'aime beaucoup ce système. Fait en sorte que ce ne soit pas un TP ou un voyage rapide. Parce qu'à la base, je pensais vraiment que c'était un voyage rapide. Donc, j'ai pas voulu l'utiliser. Et finalement, c'est assez sympa. Ça fait un peu comme le cheval, mais sur l'eau. Il y a un autre bateau là-bas. On s'en fout. Et je vais essayer de le casser, voir. Je vais foncer tout droit vers le rivage.
que je suis un dingue, moi, je suis un gueudin. Moi, je suis un gueudin bru. Par contre, il y a un ennemi sous l'eau. Est-ce qu'ils vont m'attaquer ou pas? Ah, ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air, ou peut-être qu'ils ont pas eu le temps parce que j'allais trop vite. Je sais pas. Alors. Là, il y a encore un ennemi. Là, il y a un bateau, ça veut dire qu'on est proche, c'est bon. Je vais pouvoir foncer sur le rivage. Je vais essayer d'être relativement loin d'ennemis, comme ça je me fais pas attaquer. Et si je me fais attaquer, tant pis, hein, on éliminera tout nuisible. On va se rapprocher du point, tant qu'à faire. Fonce! Fonce! Fonce, ne t'arrête pas! Ah, il va pas sur la terre, d'accord. Du coup, il se casse pas? Merde, je voulais le casser, moi. Allez! Casse-le! Le mec, il veut absolument casser son bateau. Par contre, il y a des ennemis là par là-bas. On va s'éloigner un petit peu. Casse-le, ce putain de bateau! Et merde. Ah, mais on voit les dégâts, pas mal, j'aime beaucoup aussi. C'est sympathique, par contre il y a un nid de monstre là. Ah, il est cassé. Ah, il est en train de couler, c'est mignon. Ah, génial. Du coup, on va éliminer le nid de monstre. Un c'est autre parti. Noyeur. Mieux vaut s'en débarrasser. Ouh, ils sont niveau 5. Oh, par contre, wow, c'est les marées donc. Dégagez! Fuyez, pauvre fou! Hop là, esquive! Aïe, 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 pas esquive. Eh, mais ils sont vachement forts, esquive. Wouah, la roulade comme ça, c'est... Oh, pas mal, je connaissais pas cette attaque. Aïe, aïe. Ok, on va se protéger parce que là ça commence à devenir problématique. Ah ouais, niveau 9 quand même. Hop là, esquive. Aïe, pas esquive là. Oh, je suis mort, t'es sérieux? Eh ben c'est sur cette... Enfin, en fait, c'est sur cette mort que je vous laisse. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, hein, mine de rien, même si c'est pas passé excessivement de choses. En tout cas, merci. N'hésitez pas à partager, hein, comme d'hab. N'hésitez pas à me donner des critiques et bisous à tous, bye bye!